Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous pouvons pour une autre vidéo d'information. Mais avant, quittez-nous pour un petit temps pour nous remercier tout le monde qui est déjà abonné avec Chanel. Tandis que vous sans vous-même, nous pouvons faire un effort pour nous améliorer la qualité de travail. Nous. Et vous-même, si vous pouvez faire ça, nous demandons pour vous faire ça. Kounia. Abonnez à Chanel là et activez la cloche de notification pour qu'à encourager et qu'on ne pas prêter. Ok, dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de questions, messages, questions, prophéties sur le pays d'Haïti. Dans la Bible, l'Éternel dit l'a confirmé parole prophète Lio. Dernier temps, ça y est, prophétie, message, pas manqué pour le pays d'Haïti. Capable de dire, un pays bon Dieu pote message pour lui quand même son pays il connaît li gen yeux sous lui son pays li vle sauver selon ça en pile moun di et ou même aller plus loin pour faire remarque ça dans livre pour faire oser yo di gen une série message qui semblait tête coupée à ça qui a passé dans pays d'Haïti la journée jodi. Et bien jodi dans cas d'émission ça m'bral permet nous tande message yon servante de Dieu qui vive dans pays la France. Sœur Fredeline Moreau. Et Sœur Fredeline Moreau t'a suivi un message, yon nan prophète qui a porté message dernier temps ça pour pays a qui c'est Sœur Elisabeth Pintro. Sous question 3 jours jeunes, Sœur Elisabeth Pintro dit l'Éternel mandé pour le faire. Et bien servante de Dieu Fredeline Moreau lui-même l'a le côté bon Dieu pour capable mandé lui qui ça qu'a passé comme ça dans le pays d'Haïti. Et bien lui révéler une série message pour pays, lui expliquer pour quelle raison grand pile l'autre nation les eux-mêmes yo parler de bon Dieu, yo ignorer existence lui et pas grand qu'un rien dit pour yo mais Haïti. L'Éternel révélé sur Fredeline Moreau, même les mouns nan se on grand, même les lapservis idoles, li connaît existence bon Dieu, l'Éternel vle sauve pays ça, et li confirme parole pasteur Elisabeth Pintro dans sa qui vient pour eux, avec 3 jours jeune nan, li mandé pour faire, pour mandé bon Dieu grâce là, li confirme oui, faut que pays a fait 3 jours jeune. Tout d'abord, avant nous suivre déclaration sur Fredeline Moreau, m'a permettre nous, tandis pasteur Elisabeth Pintro, nan message sa été porté pendant ces maintenant une deuxième fois côté les renouveler message ça reconfirmer message ça l'Éternel bali pour mandé pour pays a fait 3 jours jeunes. N'a saluer présence cet esprit jodi encore qui permet nous vivants en dépit de tout complot y a fait d'après ça Dieu révélé m'y a cherché de tous côtés mais jusqu'ici nous capable dire l'Éternel nous a secouru. Présence pour la presse matin. Et vous connaissez que selon le message que Dieu a pour nous, pour Haïti, il y a plein de monde qui a posé une question, qui a demandé qui est 3 jours. Donc, vous connaissez que dans la prophétie, nous avons pour la zone métropolitaine, surtout d'Elma Pétionville. Et hier soir encore, Yeshua a parlé avec moi. Il a dit que si je suis dans la zone, ça va être très prudent. Parce que il y a de l'eau qui peut l'envahir. Et toute zone, ça va avoir des catastrophes. Par contre, si c'est un cyclone qui peut le passer. Mais quand même pour gagner des victimes. Donc dans cas ça nous avons demandé l'état haïtien encore une fois pour ouvrir les oreilles pour entendre la voix bon Dieu qui parlait éternellement pour nous faire un prélude, c'est-à-dire on a fait un service en plein air pendant une soirée et pour lui-même les capable montrer le monde que c'est lui-même qui bon Dieu. Donc notre objectif ça moi venir annoncer et pour l'état haïtien bon nous sécurité. Au lieu que a mette moun derrière nous, au lieu que gien paquet menace que n'a recevoir, donc nous mandons pour ta chercher joindre ensemble avec nous parce que nous même l'esprit bon Dieu li dans nous, bon Dieu pas quitter nous tomber comme ça avant le nous. 3 jours jeune national là côté n'a profité mandé tout pasteur dans 10 départements qui t'a remis pour nous faire une commission exécutive pour nous capable organiser 3 jours ça. Vous êtes capable de contacter nous rapidement dans 34-93, numéro nous déjà sur les réseaux sociaux, 19-36, 34-93, 19-36, 47-41, 19-35. Et nous avons dit Mundelma, Pétionville, Chris Roy, nous avons dit que ça encore faut que vous soyez très, très, très prudent parce que surtout, nous avons remarqué qu'il y a 2 gros appuis qui sont signalés là. Et la pluie ça a commencé exigiblement à minuit, toutes 2h, 3h du matin. Donc, c'est lui-même qui montrer un grand pile innocent pendant qu'il a dormi. Et puis, c'est comme ça, et catastrophe, lui-même l'a pensé. Et là, ça, c'est pour le gros dégât. À noter que m'a dit, monsieur le gouvernement,
yo pas besoin persister d'après ça bon Dieu montrer et plan y a fait pour gain transition pour yo mettre en monde le CE pas dans plan ça et plan ça l'a complètement pas réussi si yo persister là-dedans a gain dégâts a gain danger gain monde qui a crié toujours. Nous entendons sœur Elisabeth Pintro, pasteur qui lui-même versé li dans porter message pour pays d'Haïti et dernier temps ça yo gagnent c'est vrai en pile prophète ak prophétesse qui porter message comme ça tout gagne en pile monde qui critiquer message ça yo qui fait connait chaque jour gagne malheur yo annoncé sous tête pays d'Haïti et j'en note dit gagne sœur Fridline Mouro qui vit dans pays la France nan message lui-même les recevoir nan mais l'Éternel des armées li confirmé c'est lui-même qui parlait ak sœur Elisabeth Pintro il confirmé réellement pays a doit courbel pour faire 3 jours jeûne pour demander grâce parce que l'Éternel voulait sauver pays d'Haïti bon permettre nous tendre message sœur Fridline Mouro lui-même qui confirmé j'en dis sœur Elisabeth Pintro message l'hypothé pour pays d'Haïti toute ces vérités c'est là nous quitter active vidéo ça nous mandé rester connecté channel ça partager like vidéo nous yo bye bye tout le monde à très bientôt ciao ciao peuple haïtien reviens à ton Dieu. Et ce message, hélas, ne vient pas de moi. Dieu m'a vraiment mis à cœur de vous faire ce message. Et il m'a montré dans quel verset biblique que je devais partager avec vous. J'essaie une fois encore, je vais peut-être déranger les personnes qui ont du mal à entendre une personne dire que Dieu lui a parlé. Je suis désolée de vous déranger, mais c'est mon boulot de vous déranger. Et je n'avais pas trop compris pourquoi Dieu voulait que je parle de ces versets. Et ce matin, il m'a convaincue d'aller regarder une vidéo. C'était une sœur qui parlait. C'est la première fois que j'ai vu. Je crois que la deuxième fois, j'ai vu cette sœur. Elle s'appelle Elisabeth. Elle parlait des pleins de prophéties, des choses qui vont être détruites. Elle parlait des 3 jours de jeûne, des choses comme ça. Et ça n'avait pas de sens pour moi. Elle avait un sorte de vêtements. Je ne sais pas comment on appelle ça, des vêtements sacs, je crois, qu'elle portait. Du coup, ça paraissait vraiment très bizarre à mon égard. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi elle porte un vêtement en... Et pourquoi elle porte un vêtement en sac? L'Éternel m'a dit, regardez les livres des prophètes, ma fille. Tu es prophétesse, c'est vrai, mais tu ne connais pas trop les livres des prophètes parce que ça ne t'intéresse pas trop. Tu devais commencer à regarder. Et puis j'ai dit, pourquoi, Seigneur? Mais la veille, Dieu m'avait donné, même plusieurs jours à l'avance, ce message, haïtien, peuple haïtien, retourne à ton Dieu. Moi, ce que j'admire, c'est Dieu, c'est voir comment il aime ce peuple. Malgré nous faisons tout à Dieu, malgré nous péchons, malgré nous n'aimons pas Dieu, comment il aime ce peuple. Il fait tout pour le salut de cette nation. Mais malheureusement, beaucoup de nous vont quand même tomber parce que nous n'accepterons pas la parole de Dieu. Et quand j'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi elle parle comme ça et tout, Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas ma fille, je ne vais jamais te demander de porter un vêtement sac. Ton papa n'est pas ridicule, je ne vais pas te dire de porter un vêtement sac en plein Paris pour te ridiculiser. T'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'avoir peur, même si tu vois ta sœur Elisabeth, porte ce sac. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment c'est une prophétesse de Dieu? L'Éternel m'a dit oui. C'est une prophétesse de Dieu. Et c'est bien pour cela que tu vas voir que le message qu'Elisabeth porte, en général, tu as toujours le même. Et voilà, nous allons avancer ensemble devant le trône de la grâce avec ce verset. Osée 4, verset 1 à 2. Osée 4, verset 1 à 2. Le Seigneur est en procès avec les habitants du pays, gens d'Israël, écoutez ces paroles. Ici, il n'y a plus de fidélité ni de bonté. Dans ce pays, les habitants ne me connaissent plus comme Dieu. Partout, ils lancent des malédictions, ils mentent, ils tuent, ils enlèvent les gens par la force, ils commettent l'adultère, ils agissent avec violence, ils passent leur temps à tuer. Parole du Seigneur. Et nous allons retourner dans le contexte de la vie de José avec vous, bien que nous allons faire une vidéo qui n'allait pas être trop longue, mais quand même. Le deuxième verset que Dieu m'avait demandé de toucher avec le peuple de Dieu, c'était Actes 2, verset 38.
Pierre leur répond, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. Pierre leur répond, changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera le Saint-Esprit. Troisième verset que j'ai reçu l'ordre de l'Éternel pour toucher avec vous ce matin, c'est Joël 2, verset 13. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers le Seigneur votre Dieu. Il est plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et il regrette ses menaces. Alléluia. Ésaïe 1, verset 16. Lavez-vous, rendez-vous pur. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, pourquoi Dieu a voulu que nous touchions le texte de Osée? Nous ne connaissons pas totalement la pensée de Dieu. Dieu peut nous faire grâce, il peut nous donner le don prophétique, mais nous n'aurions jamais toutes les réponses de Dieu à ses choix. Ça, c'est une évidence. Mais nous savons que le prophète Osée, par notre étude, nous avons appris quand même, que le prophète Osée était un porte-parole de Dieu qui a prophétisé en Israël vers 750 avant Jésus-Christ. Alléluia. Il est resté plus de 25 ans jusqu'à la fin du royaume quand les Assyriens prennent la capitale de Samarie. Et maintenant, dans quel contexte Osée avait prophétisé? Dans le même contexte qu'Haïti actuel. Dans le même contexte que Haïti actuel. C'est comme si c'était l'histoire qui s'était répétée. Osée avait prophétisé lors des idolâtries du peuple Israël. Et on avait vu qu'il y avait un nombre d'assassinats. À peu près 4 rois se fait assassiner l'une après l'autre quand Osée commençait à prophétiser. Et c'est là que Dieu va appeler cet homme. Il va lui dire, va se marier avec une femme prostituée. Et tu vas avoir des enfants de prostitution avec cette femme. C'était un signe pour montrer le peuple de Dieu de quel niveau qu'il était tombé bas. Ah oui, amen. Comment ce peuple était tombé bas? Ce matin, toi et moi, nous sommes tombés au plus bas dans la nation. Nous avons un président qui est mort. Nous n'avons pas d'autre président. Alléluia. Nous avons des enfants qui n'ont rien à manger, des familles qui sont dans la lamentation, des personnes qui ont du mal à se soigner parce que la main de l'Éternel est posée sur le peuple de Dieu. J'ai dit le peuple de Dieu parce que j'ai eu à cœur vraiment de le dire. Haïti, c'est le peuple de Dieu. Dieu aime cette nation. Dieu veut que cette nation se détourne de mal. Ah oui, Dieu veut que vous vous retournez vraiment à lui d'une façon sincère parce que Dieu vous aime. Dieu veut vous faire grâce ce matin. Et quand j'ai regardé cette sœur, encore Elisabeth, qui était en train de dire qu'il fallait faire 3 jours jeûne, et j'ai demandé, Père, mais pourquoi? Pourquoi vous demandez à une nation tout entière qu'il faut faire 3 jours jeûne? Oui, je lui ai demandé 3 jours jeûne. J'ai dit, mais pourquoi, Père? Parce que Haïti, ce n'est pas une nation comme tous les autres. Haïti, ce n'est pas une nation qu'on peut dire qu'il y a de la loi de la laïcité. Il y a la loi de la laïcité parce que nous avons des vaudouisants, nous avons des personnes qui ont des croyances diverses. Mais il n'y a personne en Haïti qui ne connaisse pas la volonté de Dieu. Comment je peux dire? L'existence de Dieu. C'est ça le vrai mot. C'est ça que Dieu m'a dit. Il n'y a pas une personne en Haïti qui ne connaisse pas mon existence. Ce soit qu'il ne veut pas entendre parler de moi, qu'il pratique la magie noire, qu'il fasse le vaudou. Il ne veut pas de moi, mais ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas mon existence. Et quand j'avais posé la question, j'ai fait un parallèle avec, le,
avec la nation française. Je dis, Père, mais pourquoi en France on peut dire que tu n'existes pas et tu ne dis pas les gens? Il a dit, en quoi ça me regarde que les Français disent que je n'existe pas? Ça ne me regarde pas. Mais que les Haïtiens disent que je n'existe pas, je les tuerai. Parce que les Haïtiens savent très bien que j'existe. Et voilà, j'étais un peu triste. J'ai dit, Père, mais comment je vais quand même aller dire à cette nation que tu me demandes de confirmer le message d'Elisabeth? Il m'a dit, oui, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas dire à cette nation, je te demande de confirmer le message d'Elisabeth, que j'ai demandé 3 jours de jeûne à cette nation. Waouh! J'ai dit, mais quand même, c'est un message lourd, Père. Oui. Je dis oui, pour quelqu'un de crédible comme toi, pour quelqu'un qui a fait des études, là où tu l'as fait, c'est lourd comme message. Mais je connais la réponse à l'avance, je sais qu'ils ne le feront pas. Et quand j'ai entendu la sœur qui disait qu'il fallait, en fait, faire 3 jours d'œil, tout ça là, 3 jours de jeûne, j'ai dit, mais Père, pourquoi 3 jours de jeûne? Est-ce que s'il y a 3 jours de jeûne en Haïti, est-ce que la destruction va s'arrêter? Dieu m'a dit, les 3 jours de jeûne, c'est un symbole. 3 jours de jeûne, c'est un symbole. Si cette nation fait ces 3 jours de jeûne, et par ces 3 jours de jeûne, comme quand pour Jonas a été à Ninive, prêcher la destruction de Dieu, les peuples Ninive avaient repenti, il arrêtera ses menaces. Alléluia. Il va même vous bénir, il va même vous relever. Mais il m'a dit que c'est déjà que cette nation va dire non. Cette nation va dire non. Et la question que je posais à Dieu, mais tu m'as confirmé, il y a quand même 5% de la nation haïtienne qui sont vraiment chrétiennes, qui cherchent Dieu en esprit, en vérité, qui ne flanchent pas devant Baal. Mais eux, qu'est-ce qui va arriver pour eux? Dieu m'a dit, ne m'inquiète pas, il connaît ses enfants. Et par là, je lui ai posé la question, mais j'ai de la famille en Haïti. Est-ce que tu veux que je demande à ma famille de s'évacuer? Il m'a dit non. Ne demande rien à ta famille. Alléluia. Les personnes qui me respectent dans ta famille sont protégées. Alléluia. N'importe là où ils sont, ils n'ont pas besoin de quitter leur maison. C'est choquant ce que je vous dis, je sais. Moi-même, je lutte depuis ce matin. Je me dis, Père, je suis plus ou moins une personne sérieuse. Je ne pense pas ce que tu me demandes. C'est énorme, c'est... Je peux le faire. Et papa m'a dit, je suis encore plus sérieuse que toi. Tu n'as rien face à moi. Ce que je te demande de faire, tu vas le faire. Tu vas confirmer le message de ta sœur Elisabeth. Alléluia. Et j'espère vraiment que la nation haïtienne va prendre ce message en compte. Que vous allez vous détourner. En tout cas, les soldats de Dieu, les disciples, les personnes qui respectent Dieu dans la nation. J'espère que vous allez prendre en compte ce message. Vous allez vous détourner du mal afin que vous puissiez bénéficier de la protection de notre Seigneur Jésus-Christ.